C'est stressant. Oh bon Dieu que c'est stressant. Santa madre de Dieu. Non, non, non. Oh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va jouer à Five Nights at Freddy's Security Breach. Parce que ce mois-ci il y a le film FNAF qui sort et puis c'est le mois d'Halloween. J'ai envie de me chier dessus. C'est parti. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment. Oh mon Dieu. Put your hands together for the one, the only, ouais. Freddy Fazbear. J'aime bien cette intro. Wow. Oh là là. C'est beau, c'est beau. Le dernier jeu Five Nights at Freddy's qui est sorti auquel j'ai joué, c'est le 4. C'est-à-dire que depuis, je n'ai pas joué à un... C'est... Waouh. Ah ouais. Ah ouais, on est dans le futur, là. C'est incroyable que ce soit... Je peux vous dire que... Parce que vous avez genre 12, 15 ans. Et vous connaissez Five Nights at Freddy's, vous avez grandi avec ça. Mais moi aussi, j'ai grandi avec ça, mais j'ai grandi avec les vieux... Quand j'avais votre âge, c'était l'époque où les vieux, les premiers sortaient. Et du coup, je trouve ça incroyable que ce truc-là ait réussi à survivre et à rester aussi incroyable au fil du temps. Genre Alors que c'est tout con à la base, le concept. Mais j'adore ce que c'est devenu. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu parce que j'ai envie de voir ce que c'est devenu. Et voilà, c'est tout. Je sais pas, j'avais envie de partager ça avec vous. Je préviens, cette vidéo va pas y avoir beaucoup de cuts. Ça va être vraiment du gaming à l'ancienne, quoi. Là, on est sur du 2015, c'est vraiment comme ça que moi j'ai commencé à aimer YouTube, avec des vidéos sur FNAF, et là j'ai l'occasion de faire ça pour vous, avec vous, et ça va être trop bien, voilà, c'est tout, j'avais envie de partager ça avec vous. Maintenant on va se chier dessus, parce que regardez, ça commence à déconner le bordel. Je le sais, hein, je sais où ça va, je connais le concept, et oui, ils vont tous être hantés du fion, évidemment, je le sais. Si vous vous cachez après avoir été repéré par un animatronique, il ne saura pas exactement où vous êtes, mais il vous cherchera. D'accord. Ok. Mais en fait, ça me perturbe parce qu'ils sont pas si terrifiants. Enfin, ceux qu'on a vus là, ils ont l'air plutôt sympas, en fait. Alors, je suis désolé, ouais, c'est en VO. Il paraît qu'il y a un mode VF. Mais il faudra faire avec les sous-titres. Parce que j'y connais rien en informatique. Santa Madre de Dios! Scanning complete. How are... D'accord, le mec me jette par terre, quoi. I'm Gregory. Gregory. I'm Gregory. Je suis le petit Grégory. Who is looking for you? Je pense pas que ce soit sa mère. C'est qui me cherche? Je me chie déjà dessus. Attendez, j'ai quelques problèmes de clavier, là! That is the security guard. She can help. No, no. Don't trust her. Why not? Attends, mais quoi? Mais il y a du monde. Attends, non, mais en fait, moi, je veux aller avec l'humaine. Je veux pas rester avec toi. Attends, quoi? Récupérer quoi? C'est grave chelou, bro. Bon, je te trifouille le bide. 3 secondes, elle bouge pas. Phase Watch. Qu'est-ce que c'est qu'une Phase Watch? Attends, c'est trop cool. J'ai ma petite Apple Watch. Salut, ouais. Est-ce que je dois lui faire confiance? Parce que j'ai... quand même, je suis pas débile. Je pense que je devrais pas te faire confiance. Tu te penches vers moi de façon très étrange quand je m'approche. C'est... c'est très bizarre, oui. Est-ce que je peux me baisser? Ah oui. Oh putain, c'est... c'est terrifiant. Arrête. Oh, j'ai l'impression qu'il va me frapper avec sa grosse paluche, là. Oh, c'est ça? Oh! Yes! There is an open air vent inside the maintenance room. Okay. You will have to climb through the ventilation system. Okay, climb through the ventilation system. Okay, Freddy. Okay, pas d'inquiétude, je m'en charge. J'appuie sur Oh. C'est bizarre. Okay, c'est pour sauvegarder. D'accord. Ah merde, je pensais que je pouvais sauvegarder à tout moment et que c'était. Okay, non, en fait, pas du tout. Ok, alors en plus je suis pas du tout à l'aise au clavier pour jouer, mais je me dis c'est quand même un jeu auquel il faut jouer au clavier, parce que c'est plus pratique, et puis j'avais fait Poppy Playtime comme ça. Oh attends, mais c'est là que je dois aller. Ah, hop hop hop. Est-ce que ça va faire peur dès le début ou pas? Parce que là pour l'instant je me chie pas encore dessus, je fais pas encore caca culotte, mais bientôt ça ne saurait tarder. Après j'ai peut-être une solution pour faire caca culotte, je vous montrerai ça un peu plus tard. Quand on sera dans un moment où ça fait plus peur. Je me balade dans la ventilation. Mais je vais prendre le jus là. Grégory! Non, ça va. Tant qu'il n'y a pas d'eau, le petit Grégory ne risque rien.
Si jamais vous voyez de l'eau à un moment dans le jeu, ce sera la merde. Faut que j'aille jusqu'où? Je pensais que Freddy reste avec moi. Je sais pas si j'ai envie qu'il reste avec moi ou si j'ai envie de ne jamais le croiser, en fait. Est-ce que... Non, en fait, me dites pas. Non, je vais pas vous demander de me dire. Non, surtout ne me dites pas s'il y a un plot twist en mode Freddy, il est méchant. Parce que pour l'instant, il a l'air gentil. Laissez passer les... Ah, il me faut un pass. Oh, il est gentil, lui, ou il est méchant? Il a l'air gentil. Il prévient que le sol est mouillé. Dans ta chambre. Pourquoi vous me regardez? Arrêtez de me regarder comme ça. Oh, le crocodile. Bonjour, monsieur crocodile. J'aimerais aller voir le crocodile, mais je suppose qu'il faut un pass magique aussi pour aller voir le crocodile. Bon, ma mission, c'est trouver une carte bancaire. Elle est bien, ta chambre. C'est une belle chambre que tu as. Toc, toc, toc. Oh, personne ne veut parler avec moi. Ah, Freddy, il est ici. Oh. T'es terrifiant. Non, y a pas moyen que je lui fasse confiance. Je m'attends à tout, sauf que ça se finisse bien par rapport à Freddy. Ah, parce qu'en fait, les animatroniques ont des loges pour que tu puisses aller faire des photos avec eux. Ouah, mais c'est encore une pizzeria ou c'est devenu autre chose? Trouver un bon pour une photo avec Freddy. Mais où est-ce que je trouve ça, moi? Oh, un free photo pass! C'est exactement ce qu'il me faut! Ah, mais ah, j'ai une jauge d'endurance, ok! Par contre, c'est vachement chelou comme le laisse, genre, gratos comme ça, juste à ses pieds. Tranquille, tiens, c'est exactement ce dont tu as besoin, non? Oh! Ah, mais attends, mais ils vendent quand même des pizzas? Si, si, c'est toujours une pizzeria, mais attends, mais... C'est bon, Freddy, j'arrive! Tu vas pouvoir sortir, t'inquiète! Tout va bien, tout va bien! Way to go, superstar. C'est terrifiant, je m'attendais pas à ce que la porte s'ouvre toute seule. Les robots ne peuvent pas trouver Grégory quand ils contrôlent Freddy. Comment ça, contrôler Freddy? Je vais rentrer à l'intérieur de lui? Non! Non, 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 tu me mets pas dans ton ventre, hein! C'est ça que je dois faire! Par contre, si le but c'est de sortir d'ici, pourquoi j'ai peur de la meuf de la sécurité? Parce que du coup, la sécurité, elle sait très bien que je suis un gosse et que je suis pas censé être ici la nuit, et du coup, bah, je dois sortir! Oh là, mais c'est terrifiant! C'est terrifiant! Par contre, j'aime bien. En vrai, j'aime bien être. Ok. Les animatroniques, là, ils peuvent pas me voir. Allez dans le hall d'entrée du Pizzaplex! Le Pizzaplex! Santa madre de Dios! Incroyable! Je peux pas, genre, péter ça. Genre, il a des grosses paluches, il pourrait pas foutre des coups de poing, des grosses patates dans tous les méchants animatroniques. Mais comment ça se fait que Freddy ait de la place dans son bide pour mettre des gosses? C'est terrifiant! Attends, c'est lui qui a pris le contrôle, là je fais rien. Hein. Il dit qu'il m'emmène à l'infirmerie. Ça, c'est trop drôle, genre, il me dégueule au milieu du plancher. Du coup. Ouais, j'ai pas le droit de... Ouais, c'est... Je trouve qu'on a une relation un peu toxique, tous les deux. Par contre, c'est ça, l'infirmerie? Tu te fous de ma gueule? Danger, high voltage! Très safe, ton infirmerie, connard! Ah, mais attends, mais c'est vraiment là, l'infirmerie? Genre... Ah, mais d'accord! Ah ouais! You're supposed to be on lockdown. Ah, ils sont censés être dans leur chambre quand il fait nuit. Je me demande pourquoi. Your system crashed and you ruined the show. Le système de Freddy a eu un problème. Est-ce que tu bugs, Freddy? I said nothing. I will keep you safe. Quand il me dit ouais, je vais te garder en sécurité, je lui fais pas confiance du tout. Jamais! À aucun moment! Jamais de la vie! Pour l'instant, ça fait pas peur, j'éteins pas la lumière, hein. Faut pas déconner quand même. Alors, on va où maintenant, Freddy? We are now under the Pizzaplex. On est sous le Pizzaplex, wow! Le terme Pizzaplex me fume. Oh, mais attends, mais il faut que je gère la batterie de Freddy. Mais Freddy, j'ai pas de câble USB-C sur moi, désolé. Va falloir que tu tiennes encore un peu, mais... Ah, mais non, mais en fait, c'est fait exprès, c'est un tutoriel pour me montrer comment on recharge Freddy, comment ça marche. Les batteries de Freddy sont à plat, il ne pourra pas vous aider avant le début de la prochaine heure. Quoi? Attends, ah, mais il y a aussi un système d'heure comme dans... D'accord, il a une petite station de recharge. Au revoir! Je me sens bien mieux quand t'es branché, bizarrement. Pourquoi? Attends. Non, parce que ça, il y a de la lumière dessus, c'est fait pour que je le prenne. À l'attention du personnel de cuisine! Tous les aliments doivent être bien rangés en dehors des heures d'ouverture. Chica a été retrouvée en train de se nourrir dans la... Attends, quoi? Il mange de la bouffe comme nous? Il mange de la bouffe humaine? Ça, c'est chelou. Ça veut dire qu'il pourrait s'adonner à du... pas du cannibalisme, mais du coup du... croquer dans le petit Grégory, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ça, c'est une station de sauvegarde, yes! Du coup, ok, les portes sont automatiques, ça m'arrange parce que je sais pas utiliser mes doigts. Ok... Santa madre de Dios, elle est pas gentille, elle! Appuyez sur E pour renverser des objets et distraire les robots. Ça va commencer à être flippant. Ah, mais attends...
Elle va pas arriver par ici, si. Ok, elle arrive par l'autre côté. Elle m'a vu, là? Ça sonne comme si elle m'avait vu. Ok, d'accord. Premier jumpscare. Mais je m'y attendais. J'avais capté qu'elle m'avait vu. Est-ce que ça me remet à la station de sauvegarde juste avant? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, le jeu? Va falloir faire très attention aux stations de sauvegarde. Ça va être terrible. Ah oui. Effectivement. Ok, alors on se grouille de taper ça et maintenant on va derrière là-bas. Ouais, yes. Ça a marché. Je peux renifler les toilettes, s'il vous plaît? Contour bleu vous indique que vous n'êtes pas visible. Contour jaune, le robot est actuellement à votre recherche. Contour rouge, vous êtes repéré. D'accord. Ok, je m'accroupis, je ne suis pas repéré. Mais par contre, du coup, en fait, je dois ressortir par là où elle est partie. Elle est où? Chica! Oh! Oh! Elle est là! Ok, ok, d'accord. Ok, ok, ok. On ne fait pas de bruit. Oh, mais elle a des spasmes. Elle a des spasmes, c'est dégueulasse. Chica, reste là-bas, pas de soucis, t'inquiète. Be careful, 100% fatal accident involve human beings. En même temps... Maintenir left sweep pour courir, mais vous ne pourrez pas courir éternellement. Ah oui, oui, d'accord, oui. Oh, il est dégueulasse ce dessin. Par contre, pourquoi vous me dites comment courir là? Ça veut dire que Chica va arriver et qu'il va falloir que je cours. Oh bon dieu. Non, toujours personne n'arrive. Non mais je sais que je vais devoir courir dans pas longtemps parce qu'il y en a un qui va me courir après. Mais je sais pas quand, ni qui. Ah! Ok, 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 c'est maintenant qu'il faut courir, c'est maintenant. Ok, 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 je cours, je cours, je cours, je cours. J'ai presque plus d'endurance. Non, 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 cours, cours, Grégory, cours. Ah, ah, ah. Ça lagouille par moments, ça lagouille. Ah, j'ai presque plus d'endurance. Vite, 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 vite. Ok, ça a l'air d'aller. Je peux me planquer ici? Ok, c'est bon, je suis planqué. Donc ça, c'est la salle de contrôle de Five Nights at Freddy's, quoi. Là, on est de retour dans FNAF 1. Ça, c'est la batterie, je suppose. Parce que il a dit que tant qu'il y a de la batterie, c'est bon. Mais j'ai pas l'impression que la batterie, elle va forcément rester. Sinon, ce serait pas drôle, hein. Sortez d'ici, connectez-vous au système de sécurité. D'accord. Ok, maintenant j'ai les caméras. Ok. Oh, mais d'accord. Ça, c'est la pièce dans laquelle je suis, je crois. Ok, super. Ok, Chica est ici, mais j'ai aucune idée de où je suis par rapport à Chica, en fait. Parce que là, du coup, faut que je ziote pour être sûr que Chica, elle me... Parce que, bon, cette porte, évidemment, du coup, c'est condamné, je suppose, hein. Bon, du coup, mais attends, mais je peux sauvegarder ici. C'est pas mal, ça. Attends, mais ça veut dire que là, je suis dans la pièce dans laquelle il y a Chica, non? Ok, donc, eux, pour se cacher. C'est sympa que... Ok, d'accord. Donc, là, je peux me cacher. Je crois qu'on est safe, là. Je pense que je vais dans la bonne direction. C'est là où était Chica tout à l'heure, je crois. C'est peut-être ici que je dois aller. Ok, on va aller ici. Hein, on va... Moi, ça me paraît bien. Ah! Le méga pizzaplex! Wow! Il est minuit. Ah oui, d'accord. Donc, il y a bien le système des heures. Attends, quoi? Jusqu'à 6 heures du matin, faut que je bouge pour pas me faire repérer. Ce serait pas plus simple de se planquer pendant 6 heures. Et du coup, les robots ménages, ils en ont rien à foutre de moi? Ça va, mec? En fait, t'as l'air outré que je sois là, mais en même temps, pas trop. C'est quoi qui fait du bruit? C'est quoi qui fait ça? Oh! Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce que tu faisais là, Frangine? Sérieux? Non, mais en plus, j'ai sauvegardé loin. Pas content, 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 pas content. Bon, du coup, je sais que Chica est dans le coin, mais je sais pas d'où elle est arrivée, en fait. Oh, mais d'accord, j'ai accès à toutes les caméras. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, mais ça, c'est moi, là? Le petit Grégory est vraiment petit, hein. Ok, ouais, mais d'accord, ouais, mais d'accord, mais parce qu'en fait, en gros, c'est comme les anciens jeux FNAF, sauf que là, c'est... Genre, il y a tout à gérer en même temps, et même, je peux bouger, c'est pas juste, je regarde des caméras et je reste assis dans mon siège. Désolé, hein, si vous vous attendez à un let's play de gamer qui contrôle bien les touches et qui sait ce qu'il fait, bah, c'est pas sur cette chaîne que vous le verrez, hein. Moi, je suis juste là pour me chier dessus. Par contre, le fait de parler en continu comme ça, ça me donne une crise d'hypoglycémie, il faut que j'aille bouffer un truc. Oh, mais attendez, on va faire quelque chose. Regardez, paf, j'éteins la lumière, et bim! Ça a marché? Oui, ça a marché, oui! Regardez-moi ça! Oh là là! C'est très drôle. Bon, je vais quand même chercher un truc à bouffer, hein.
Oh, me suis fait un sandwich poulet mayo, c'est délicieux. C'est terrifiant la cam comme ça. Bienvenue dans cette dégustation nocturne. Mmh. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je me régale. Parce qu'en fait, quand je parle trop d'un coup et tout, j'oublie de respirer. Et du coup, après, je fais des crises d'hypoglycémie. Genre, je pourrais faire un malaise juste parce que je tourne une vidéo. Et quand j'étais au collège, en cours de musique, vous savez, des fois, on fait des échauffements de voix et tout, où on fait ah. À chaque fois, j'étais en sous-ventilation et j'étais pas bien. C'est marrant comme concept de vidéo. Juste, je fais une vidéo sur un jeu et puis je bouffe devant l'écran pause. Vous inquiétez pas, on va continuer juste là, il fallait que je mange. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le jour de mon anniversaire. Et c'est la raison pour laquelle il y aura probablement très peu de cuts et de montage dans cette vidéo. Parce qu'en fait, il faut que je prenne de l'avance pour ce week-end, c'est-à-dire le moment où sort cette vidéo. Parce que au moment où cette vidéo sort, je suis probablement en lendemain de soirée d'anniversaire. Donc j'ai bien bu. Et je suis bien fatigué. Oh, mais il y a un cadeau, là. C'est pour moi. Oh, merci. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup pour le cadeau. J'ai gagné un pass d'entrée. Billet d'entrée offert par la maison. Yes. Yes. T'as vu ce que j'ai eu. T'as vu ce que j'ai eu, robot rigolo. Ouais. Yes. Oh. Jésus, Marie-Joseph, elle est là, chica. Ah, mais attends, mais eux, c'est des agents de sécurité qui vérifient qu'il n'y a personne. Oh là là. Oh là là. Ne fais pas demi-tour, ne fais pas Putain. Mais attends, mais quoi? Mais il m'a pas vu? Bon, ça va, ils sont tombés. Je me demande si je vais pas tenter de jouer à la manette parce que je sens que je vais galérer. C'est pas ce que tu crois! C'est pas ce que tu crois du tout! Je te jure! Est-ce que je suis toujours repéré là? Oh putain! Oh putain! Elle arrive! Ah! 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 Cache-toi! Vite! Se planquer! Trouver un point pour sauvegarder! Se planquer! Ok, normalement, là, je suis incognito. Ah non, non, ah. En fait, j'étais pas incognito. Mais il m'a dit que quand c'était bleu, on me voyait pas. Ça me saoule, je vais jouer à la manette. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh là là, oui. Oh, yes. Oh, yes. Ah, oh, je me sens beaucoup mieux. Ah, là, c'est nickel. Nickel. Ok, là, personne ne peut me repérer. Maintenant, j'ai le pouvoir de la manette dans mes mains. Et oui, attention, je mets un filtre dans votre chambre. Ta gueule, chica, arrête. Cette fois-ci, tu ne mourras plus. Ah, elle s'approche là, elle est en train de descendre. Yes, ça y est, je sais comment utiliser les trucs. Ok, c'est bon, maintenant elle est passée. Oh, mais je sens dans la manette ces vibrations de elle qui marchent. Yes, c'est bon, on peut sortir, on peut se barrer. Chica ne peut plus rien faire, je suis parti. Sprint, par ici. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Je sais pas où aller, mais c'est très cool que je puisse être caché et regarder les caméras. Non, la porte là-bas, je dois pouvoir y aller. Non, non, j'ai été repéré par quoi? Peut-être que j'aurais pas dû courir en fait. Vite, trouver une cachette. Je mange mes cheveux, ça m'arrange pas. Ok, ici c'est pas mal pour se planquer, non? Elle a pas pu me suivre ici. Ok, on prend le petit cadeau. Peluche de Chica, ouais, super. Je l'adore en plus. Tu sais quoi, je vais me cacher et je vais regarder qu'est-ce qu'elle fait l'autre conne. Ah mais elle est retournée là-bas, c'est bon. On est d'accord qu'il y a que Chica par ici. Je sais pas si c'est ici que je dois aller ou... Non bah de toute façon, en vrai, de toute façon il y a plein d'endroits où je peux pas aller. Donc ça va pas être très compliqué de trouver où est-ce que je dois aller. Attends, j'ai fait quoi là? Mais attends, mais je voulais pas! Mais je voulais pas, mais pourquoi ça m'a dit de mettre mon pass dedans? Rends-le-moi! Rends-moi mon pass, putain! Rends-le-moi! Oh, attends, je pouvais faire un truc là. Marcher sur les tables par exemple! Il m'embête l'autre à avoir pris mon pass! Je comprends pas! Le petit sac de sport de Chica, ouais! Salut Dave. Plainte de client, vous devriez virer Dave, c'est un gros naze. C'est drôle. Oh, keep magnets away from this machine. Attends, faudrait que je trouve un aimant du coup. Faudrait que je trouve un aimant pour péter la machine. Mais où est-ce que je vais trouver un aimant par contre? Parce que c'est assez facile à dire. Mais le faire, je ne sais pas trop. Dans la cuisine, est-ce qu'il y a un aimant? S'il vous plaît. Un aimant, je cherche un aimant. Chica n'est pas là, nickel, super, trop bien. Oh, oh, s'il y a un aimant là-dedans, c'est très bien. Ça me satisferait beaucoup, j'aimerais bien. Non. Merci d'avoir contacté les entrepreneurs du bâtiment bas de gamme.
Nous avons réalisé notre inspection préliminaire et n'avons détecté aucun problème dans notre système de ventilation. Les bruits métalliques de fracas et grinçants signalés ne semblent à première vue pas reproductibles. S'ils venaient à survenir à nouveau, n'hésitez pas à vous rappeler... Bon, en gros, il y avait des animatroniques qui rampaient dans, dans la ventilation, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est ça que j'ai compris, en tout cas. Et par contre, je sais pas où est-ce que je vais trouver un magnet. Oh merde, mais attends, mais je suis détecté, là. Non, pitié, non. Non, tu ne mourras jamais, Chica. C'est stressant. Oh bon Dieu, que c'est stressant. Santa madre de Dieu. Ok, je vais boire un petit coup, je vais me détendre 3 secondes. Mais où est-ce qu'il y a un putain de magnet? Attends, quoi? Je reviens ici? Tout ça n'a donc servi à rien. Attends, mais il m'appelle Superstar? Sérieusement? Oh! Quoi? Qu'est-ce que quoi? Non! Ah! Oh! Oh! Mais Chica, putain, tu me terrifies! J'en ai ras le flanc! C'est bon, je suis bloqué, elle peut pas... Oh! Non, mais... Sérieusement? Bon, au moins, j'ai ce que j'étais venu chercher. J'ai eu peur. C'est quoi, je vais sauvegarder après avoir récupéré ce truc, c'est peut-être plus malin. C'est plus mieux. Mais attends, mais il y a un sac posé là. Eux, ils me faisaient pas trop peur, mais en fait... Oh là là, mais tu peux arrêter de tourner à côté de ce sac, j'en ai besoin. Ok, vite, prends le sac. Vite. Tout ça pour ça. Je sais plus où est Chica. Je sais pas où elle est. Mon cousin a travaillé ici, il disait que les aimants perturbaient les distributeurs de tickets. Allez voir au FastPad, vous pouvez accéder au service client par la porte arrière et prendre une poignée de tickets. Je vous attendrai dehors, si vous entendez un robot, cachez-vous le temps qu'il s'en aille, tout va bien se passer. Je dois rentrer là. Ah, c'est une cachette. Oh, mais Chica est juste là, j'ai bien fait de me planquer. Elle s'approche de là où je suis. Elle va pas rentrer dans la cabine. Tu veux pas aller plus loin? Casse-toi! Grosse code. Mais pourquoi elle reste plantée là, cette cruche? Je suis désolé, je mets probablement des siècles à faire cette petite partie, alors que des gens ont dû la faire en 15 minutes, et ça fait genre 2 heures que je joue. Au final, j'en suis exactement au même point. Mais ça, c'est un magnet, non? Oh, mais attends, mais je peux ouvrir ici. Chica, elle est où? Oh, je la vois pas, c'est terrifiant. Je déteste quand je la vois pas. C'est comme les araignées et les flics, tu préfères savoir où ils sont. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez vu quelque chose démenté? En vrai, ici, j'aimerais pouvoir y entrer, mais je sais pas comment. Parce que là, en vrai, c'est une boutique de souvenirs, il y a forcément un truc aimanté dedans, genre de magnets. Mais comment je rentre ici? Je suis désolé, je mets des siècles à faire ça, je me demande combien de temps mettent à faire ça les autres gens qui jouent. Moi, dans les jeux comme ça, j'ai beaucoup de mal à trouver les choses. Elle est où, cette conne? Je la vois plus. Attendez, on me voit. J'aimerais essayer d'aller à droite, là, ça se trouve je peux rentrer dans cette petite partie, mais cette cruche, elle veut pas bouger! Elle est où? Oh là là! Je suis caché dans ma chambre! J'aimerais aller là où tu es, en fait! Ok, c'est bon, là, elle passe devant moi, je la sens vibrer dans ma manette, et maintenant je peux me tirer de là. J'avais pas remarqué cette porte avant, je suis débile! Yes! Ok! Bon, c'est forcément ici que je vais trouver le... Non, mais... Oh! Il est complètement... Non! Non! Pourquoi? Pourquoi, espèce de connard? Je sais pas où je vais! Vite! Plante-toi là! Ok. Ah oui, il est reparti, ok. Ah, c'est bon. Tranquille. Je sens que j'avance un peu, quand même. Très légèrement et très lentement, mais sûrement, j'avance. Non, je voulais pas faire ça! Elle a pas entendu, en fait. Et le problème, c'est que ici, il y a lui, là, qui m'emmerde. À chaque fois, il me dénonce à la police. En fait, je pense que c'est quand je suis dans sa lumière qu'il me détecte. Il me semble que j'ai vu un cadeau à cet endroit-là, quelque part, sur une caméra. Je sais pas exactement où. Aïe. C'est là, mais c'est juste à côté de là où je m'étais planqué. Ça m'énerve! Ah oui, d'accord, il est vraiment en plein milieu. Super! Allez, vas-y, donne-moi, c'est... Aimant de Monsieur Hippo! Oh là là, quelle surprise! Oh, mais Chica est juste là! Elle m'a vu!
plus. Non, non, connasse, connasse, connasse. Je te déteste, je te hais, je te hais. Non, non, c'est foutu pour moi, c'est foutu pour moi. Elle arrive. Non, mais non, je vais enfin trouver ta maman. Je suis sûr le jeu est calculé exprès pour qu'il se passe exactement ce qui s'est passé et qu'elle me chope en sortant de la pièce où j'obtiens enfin le magnet. Est-ce que tout le monde galère autant ou y a que moi? Parce que là, pour vous donner une idée, je pense que je suis vraiment genre au tout début du jeu, ça fait 1h20 que je tourne. Oh, il m'a fait trop peur. Mais lui aussi, il a des trajets complètement débiles. Je suis à la limite d'aller sauvegarder de suite après avoir récupéré le magnet. Ok, cette fois-ci, je ne sors pas de cette chambre avant d'avoir vérifié où elle est. Et où? Bon, c'est bon, enfin. Now it's some kind of daycare path. Ah, yes, yes, j'ai accès à la garderie. Ok, alors là, ma priorité absolue, c'est d'aller sauvegarder. Non, 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 tout mais pas ça, tout mais pas ça, pitié, 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 pitié. Y a pas de poussette par ici, y a pas de poussette. Non, 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 je veux pas, 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 je veux pas. Je l'entends qui court derrière moi, je l'entends qui court derrière moi. Non, cours, cours. Oh. Mais elle est débile, elle est débile. Yes, elle est débile. Oh, merci. Ah, j'adore quand elle est débile. Sauvegarder, 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 sauvegarder. Plus jamais ce magnet de merde. Ok, maintenant c'est où la garderie? Pourquoi elle est là-bas? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Et en même temps, dans le Pizzaplex, méga giga super Pizzaplex, là, pourquoi il n'y a pas une carte ou des panneaux pour indiquer où sont les choses? Mais je me demande si en fait j'ai pas vu la porte de la garderie. Ah, c'était peut-être là-haut en fait. Eh ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Ah, mais quoi? Mais pourquoi elle apparaît juste derrière moi quand tu me fais ça, là? Pute! Pardon! Yes, 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 vas-y, dégage, ça dégage, au revoir! Merci de me laisser l'étage, j'en ai besoin! Superstar Daycare Pickup... Ah, oh, attends! Yes! Ok, je crois que c'est ça. Oui, il y a l'espèce de soleil bizarre, là, qu'il y avait sur la carte. Attends, j'entends de l'eau, j'entends de l'eau. C'est fini pour le petit Grégory. Le petit Grégory est dans l'eau. Est-ce que j'ai le droit de faire ce genre de blague? Sauvegarde, 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 sauvegarde. Oui! Bim! Attends, c'est un animatronique, ça? Parce que si c'est le cas, j'ai pas forcément envie de le croiser. Slide into fun. Ouais. Écoutez, sachant qu'on vient de trouver une station de sauvegarde, je pense qu'on va garder le parc de jeux du Monsieur Soleil pour la prochaine fois, hein. Chica, ça suffit. Pour cette vidéo, Chica, c'est suffisant. Et on va découvrir ça la prochaine fois, hein, je pense. Tranquille. Oui, oui, ça peut attendre, hein. Ça fait déjà 1h30 que je tourne. Ouais, ouais, on va attendre, hein. Ce sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et si vous voulez voir la suite. Parce que moi, bah, je me suis bien amusé et j'ai bien envie de découvrir ce que Monsieur Soleil a à nous offrir. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé. Gros bisous et à la prochaine. Dans ta chambre. Oh, ça a l'air cool. On verra ça la prochaine fois. Le parc de jeux avec les piscines à balles. Wouhouhou.